Farid. Ben, bonsoir. Donc, vous avez un grand honneur ce soir d'être membre du jury. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette cérémonie? Ben, écoute, c'est une cérémonie très réussite. Ça fait plaisir de voir plein de jolies filles défiler. Et c'est vrai qu'elles ont mis le paquet, donc ça fait plaisir. Alors justement, les critères de beauté, alors c'est quoi pour vous? L'élégance, elles sont très élégantes, elles savent, je pense qu'elles sont bien préparées avant et voilà, l'organisation est réussite, donc c'est le principal. C'est une première pour vous? C'est une première pour moi, pour certaines aussi je pense. Ouais. Mais vous êtes quand même un peu dans le monde du spectacle, donc je pense que vous avez aussi l'œil de savoir un peu les gens qui ont un profil, un potentiel. Ouais, et puis je pense que c'est une expérience pour tout le monde. Et donc c'est important de, voilà, elles se valorisent, elles sont toutes mignonnes. Donc c'est bien, après c'est au jury de faire son travail. Mais c'est une belle expérience pour tout le monde. Ah, vous avez déjà un petit coup de cœur déjà? Il y en a quelques-unes, moi, que j'ai sélectionnées, qui ont du charme, de l'élégance, qui sont, voilà. Alors un petit peu l'actu, alors j'ai là. Bon, il y en a beaucoup de projets. Je suis toujours sur le film Star 80, là, qu'on est en train de terminer, ouais. La suite. Et après, je tourne dans le Mac 2 avec José Garcia, et puis on fait un film sur ma vie. Sur le parcours du sportif, du champion du monde, etc. Justement, le monde de la boxe, là, vous suivez toujours un petit peu? Ouais, un petit peu. Ouais, de loin? Ouais, un petit peu. D'accord. Voilà, on a toujours le regard. Je m'entraîne toujours un petit peu, parce que c'est difficile pour un ancien athlète de haut niveau d'arrêter complètement. Mais toujours dans le parcours, en circuit, on met un peu les gants avec les petits jeunes. Bon, ils sont toujours aussi fiers, mais voilà, ça fait plaisir. Dans les dates, justement, il y a une tournée qui est prévue, là, un petit peu, un spectacle là. Le spectacle, je reprends, je pense, à la rentrée septembre, le nouveau spectacle One Man Show. Et je vous dis, là, en ce moment, on prépare un film sur ma vie. Donc, on est toujours au stade de la préparation. Voilà. Je pense qu'il sortira pour 2018. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée. Super.